Et bonjour à vous, c'est Sorotone. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai créé un jeu de survie. J'ai créé ce dernier en suivant la formation de Smart Poly, un autre youtubeur que vous connaissez sûrement. Bah c'est qui celui-là ? Sur ce, il est maintenant temps pour moi de vous expliquer comment ça s'est passé. J'ai d'abord commencé par créer un projet et j'ai importé ce personnage offert par Epic Games. L'avantage avec lui, c'est qu'il est modulable et qu'on a quelques vêtements fournis avec. Ces derniers pourront lui servir d'équipement. J'intégrerai dans le blueprint du personnage deux squelettes à mèche, le premier avec seulement les bras pour la vue à la première personne, et le deuxième, le personnage complet. Ce sera ce que les autres joueurs verront. D'ailleurs oui, je n'ai pas précisé, mais ce sera un jeu multijoueur qui se jouera en ligne. Et qui dit en ligne, dit gestion de la réplication, du mode client, du mode serveur, etc, etc. J'ai ensuite créé le widget d'affichage de la barre d'action, ainsi que les prémices de l'inventaire du joueur. Puis j'ai mis en place un blueprint représentant une plante tropicale. Cette dernière tombera en morceaux une fois ses ressources récoltées. Et pour cela, on trouvera la plante dans la base de données des ressources, qui renverra à celle des objets du jeu afin de nous les attribuer dans l'inventaire. Ah oui, ok. J'ai rien compris, mais enfin ça fait rien. J'avais maintenant un inventaire fonctionnel. Je pouvais glisser et déposer mes objets, scinder les lots, intervertir l'opposition, et même les jeter. Il était temps d'équiper le personnage d'une hache, et il lui fallait aussi quelque chose sur quoi taper. Oh, un arbre ! Bon, on fermera les yeux sur l'optimisation des matériaux. Les bases étaient là. Je pouvais taper et récolter les ressources avec la hache. Et lorsque les vies de l'arbre tomberaient à zéro, il ne resterait plus qu'à simuler la chute de ce dernier. Une fois au sol, il ne restait plus qu'à le faire disparaître. La magie ! J'ai ensuite ajouté la pioche qui servira principalement pour la destruction des rochers. Je récupérerai ce dernier sous Megascan et j'appliquerai une fracture à sa destruction. Et chacune des ressources aura son arme de prédilection. C'est-à-dire que je récupérerai plus de ressources en me servant de la hache sur les palmiers que si je me servais de la pioche. Et inversement pour les rochers. Et plutôt que de placer les éléments un à un, je les ai convertis en acteurs foliage afin de pouvoir les placer directement avec l'outil Paint. J'ajouterai ensuite l'onglet de fabrication avec les deux premiers objets liés à une nouvelle table de données comportant entre autres les différentes ressources nécessaires, le niveau requis ou encore le temps de création. Mais ce n'est pas tout ! En effet, c'était pas trop mal parti, mais j'avais encore énormément de choses à rajouter. Il me fallait maintenant inclure la gestion de la vie, la faim, la soif et l'endurance. Bon, pour la stamina, rien de bien compliqué, si le personnage court, elle se vide au fur et à mesure, et s'il ne se déplace plus, elle se régénère. Pour la faim et la soif, les jauges diminuent au fil du temps. Si l'une des deux arrive à zéro, la vie diminuera également, mais si ce sont les deux, la perte de santé se verra amplifiée. J'afficherai également des messages de notification afin que le joueur comprenne ce qui lui arrive. On pourra boire ou manger de la nourriture, ce qui aura pour effet de remonter instantanément une partie de la barre ou au fur et à mesure. Ou les deux à la fois. J'ajouterai à cela le gain d'expérience à chaque fabrication, et pour chaque niveau acquis, j'afficherai une notification et je donnerai des points de compétence au joueur qu'il pourra utiliser pour augmenter la stat de son choix. Il était temps d'habiller notre personnage. J'ai donc inclus des emplacements supplémentaires où je pourrai glisser et déposer les équipements. C'est tellement beau que quelqu'un me tue par pitié. Il fallait maintenant que les dégâts reçus prennent en considération le nombre d'équipements actifs sur le joueur. Plus on emporterait et moins on recevrait de dégâts. J'inclurai ensuite un blueprint avec le personnage qui sera affiché par le biais d'un render target et qui ne sera visible que pour le scene capture. Ça nous permettra de voir à quoi il ressemble en passant par l'inventaire. Il était temps de passer aux choses sérieuses en m'attaquant au système de construction. Pour ce dernier, j'ai utilisé les mèches du Easy Building System. J'ai commencé par l'affichage du mesh avec un matériau vert semi-transparent qui virait au rouge dans les zones où l'on ne peut pas construire. Je mettrai en place un système de snap permettant de coller les structures entre elles. Il ne me restait plus que quelques détails à ajouter, comme l'interaction avec les torches et les portes, et à mettre en place la destruction pour chacune des structures. Pour cela, il suffirait d'être suffisamment proche et de maintenir la touche X sur ce que l'on souhaitait détruire. Et automatiquement, tous les éléments supérieurs à celui-ci se verraient subir le même sort. Malheureusement, avec ce système, il n'est pas possible de construire sur des terrains n'étant pas totalement plats. Contrairement au youtubeur Itsumi, dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo et qui avait mis en place un système bien plus optimisé pour ce cas de figure. Mais bon, je ne me voyais pas reprendre intégralement le système, alors pour l'instant, j'en resterai à la version actuelle. On sent que tu fais pas beaucoup d'efforts. Hello darkness, my old friend. Il était temps de s'attaquer aux boîtes de stockage afin de permettre au joueur de se décharger des objets de son inventaire. Et si l'on venait à détruire ce dernier, un sac le remplacerait avec tout son contenu. Mais ça déclencherait aussi un timer qui le ferait disparaître au bout d'un certain temps. Et de cette boîte de stockage allait dériver un certain nombre d'objets, tels que la marmite qui permettrait de faire cuire de la viande, l'établi qui se focaliserait sur des structures en pierre, une version plus avancée pour celle en métal,
et une forge pour faire fondre le minerai. Toute la partie structure étant terminée, il ne me manquait plus qu'une chose. Tu as besoin de quoi ? À part un miracle. Des armes. Un maximum d'armes. J'ai donc commencé par le caillou qui servirait d'arme primaire pour ramasser les premières ressources. Puis j'ai ajouté la lance qui aurait une portée plus importante et ferait plus de dégâts. Et ensuite des armes qui nécessiteront de munitions, telles que l'arc. Ce dernier tirera des flèches qui se verront appliquer un effet parabolique, accompagné d'un effet de ruban Niagara. Il ne me restait plus qu'à implémenter le fusil d'assaut, et pour finir... C'est quoi ce truc-là ? Tu crois que c'est un bazooka ? Je me suis ensuite attaqué à la création de tribus. Il était maintenant possible d'en créer une et d'inviter quelqu'un à la rejoindre. Si ce dernier accepte l'invitation, il sera possible de le promouvoir, de le rétrograder, ou encore de le bannir. Tu es viré ! Et pour le coup, si vous n'appartenez pas à la tribu, vous ne pourrez pas interagir avec les structures de cette dernière. Mais si vous en faites partie, leur accès vous sera accordé. Vous serez même autorisé à les détruire. Mais attention, car tout sera consigné dans le journal de la tribu. Il ne me restait plus qu'à afficher le pseudo du joueur sur sa tête, qui serait à terme son identifiant Steam. Puis j'ajouterai un système de chat pour communiquer de manière textuelle. Et si le joueur est dans la même tribu, on affichera son nom avec le pseudo en couleur. Et il sera même possible de discuter seulement avec ce dernier. Et si vous préférez communiquer à l'oral, il sera possible d'appuyer sur une touche pour parler. Nous voulons parler avec des vraies personnes. Allez manger ça sous les télévisions ! J'arrivais au terme de la plus grosse partie de codage. Mais je vais maintenant vous parler des côtés positifs et négatifs de cette formation. Grâce à cette dernière, j'ai pu aborder la gestion du multijoueur en ligne pour la première fois et me confronter aux difficultés associées. Classe ! Et des choses que j'ai pas compris, comme la duplication de la timeline pour l'ouverture et la fermeture du coffre, alors qu'on aurait tout simplement pu relier la fermeture sur le reverse. J'ai apprécié me voir proposer des fonctions comme le chip contraste permettant le dissolve, ou encore la création d'expressions pour les formules mathématiques. Des fois, il nous fait passer par une condition dont on a affecté le booléen juste avant à vrai, alors celle-ci n'aura finalement aucune utilité. Tout comme cette fois où, peu importe sa valeur, la finalité sera la même. Grâce à lui, j'ai abordé pour la première fois la navigation invoqueur, principalement utilisée pour les mondes vastes, qui permet de générer les zones de déplacement autour de l'IA pendant le jeu. Mais le pire dans tout ça, je pense, c'est que pour chaque table de craft, plutôt que de faire un lien sur les identifiants des objets que l'on peut créer, comme on a fait pour les ressources au début d'ailleurs, eh bien on va juste contenter de faire du copier-coller de la table pour chaque élément que l'on pourra fabriquer. And so we want to name, compile, save. Let's go ahead, hit play. Je vous ennuie. Oui, certes. Pas classe. Il était maintenant temps de créer le landscape, ou plutôt de le générer à partir d'une heat map. Une fois toutes les zones définies de la même manière, il ne me restait plus qu'à ajouter l'eau. J'ai donc commencé par déposer un océan, et je l'ai ajusté tout autour. Puis j'ai ajouté des lacs et des rivières. Une fois terminé et le tout fonctionnel, j'ai fait connaissance avec le nœud Landscape Grass. Ce dernier permet de faire apparaître de manière aléatoire et sur un layer donné des mèches instanciées par le biais du foliage du même nom. J'ai également fait mes premiers pas avec le plugin Procedural Content Generation, et comme son nom l'indique, il permet de générer du contenu de manière procédurale. Vraiment. On pourra choisir les mèches à afficher, leur taille, leur orientation. Chaque biome possédait maintenant un environnement bien à lui. Des arbres, des rochers et des plantes qui leur étaient propres. La carte était maintenant terminée et remplie procéduralement. Mais le problème maintenant, c'est que je ne pouvais plus taper les arbres ou les rochers. Alors il me suffisait de détecter la zone d'impact et de supprimer l'instance foliage en le remplaçant par le blueprint correspondant. Ce petit problème de collision réglé, il ne me restait plus qu'à ajouter d'autres personnages, comme le daim, qui se promènerait de manière aléatoire et fuirait en nous voyant. Une fois tué, j'activerai le ragdoll et je pourrai récolter de la viande sur son cadavre. J'ajouterai également un loup qui nous attaquera à vue. Ce dernier aura le même comportement que le daim lors de sa mort, à 2-3 détails près. J'inclurai des zones de spawn de partout sur la carte pour les faire apparaître de manière aléatoire quand au moins un joueur entrerait dans l'une d'elles. Elle permettrait également de faire réapparaître ce qui a été détruit lorsque plus aucun joueur se situerait dans la zone pendant un certain temps. Il ne me manquait plus qu'à afficher la mini-carte avec la flèche permettant de savoir dans quel sens on regarde. Et une version plus grande avec des grilles et une cible pour se repérer plus facilement. Mais c'est quoi cette carte bidon ? Vous vous fichez de nous ? On n'y comprend rien ! Même le soleil n'est pas à sa place ! Et c'est pas étonnant, tu la prenais à l'envers ! Je la prends comme je veux ! On pouvait maintenant mourir et se voir proposer des zones d'apparition où l'on récupérait une position aléatoire dans ces dernières. À la mort du joueur, on remplacerait son personnage par un sac contenant son inventaire.
Ce dernier aura la possibilité de réapparaître sur son lit s'il en avait créé un au préalable ou si un membre de sa tribu en possède un. Il ne restait plus qu'à créer un système de sauvegarde pour la position, les stats, l'inventaire, les structures et tout ce qu'il fallait conserver du joueur. On chargera celle-ci au démarrage et on sauvegardera à la fermeture de l'application. Et pour finir, le traditionnel écran des options permettant d'ajuster les divers réglages, ainsi que le menu principal. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, ça aurait été plus long que d'habitude, mais il y avait beaucoup à dire. Et je n'aurai plus qu'un message à vous passer pour conclure cette vidéo. Nous ne sommes que 500, noble César. Que 500? C'est pas si mal.